chiottes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de deux figurines de chez Mattel Basic série 93. Mais aussi un colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, comme vous l'avez vu au début. Avec dedans des cartes et des figurines, mais je ne sais pas lesquelles. Pour ouvrir un carton, nous avons besoin de Koutal. Bien, c'est parti. Let's do this shit, man. Alors. Merci d'ouvrir ça proprement. Aïe, je vais me planter. Alors, qu'avons-nous dans ce package? Pour commencer, nous avons des cartes Then Now. Voilà. Voilà, des cartes assez anciennes. Nous avons un joli paquet de WWE Tops Rival. Je vais essayer de montrer un petit peu. Ouais, il y a un bon paquet. Voilà, je vous montrer. Les anciennes cartes. Pareil, ça va dater de 2006, 2005 peut-être. Voilà. Nous avons aussi des cartes TNA Icons. Pas mal de cartes. Ouais. Voilà. Nous avons la collection complète des TNA Cross the Line. Et franchement, je les trouve vraiment très très belles. AJ Styles. J'aime beaucoup le style dessiné. Je trouve ça vraiment sympa. Puis après, les plus classiques. Donc Sting. Voilà. Franchement, la collection est complète. Je la trierai, hein, mais c'est compliqué de tout montrer. Voilà, j'en montre que quelques-unes. Je montrerai un jour ma collection de cartes. Et là, il y en a pour longtemps. Cette édition a quelques cartes qui sont un peu spéciales et qui sont un petit peu marrantes. C'est des dessins faits par des fans enfants dessinés pour les catcheurs. Voilà. C'est toujours un petit peu marrant d'avoir des cartes comme ça, quoi. Avec tout ton paquet, tu te dis un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, après, nous avons un bon gros petit paquet de cartes TNA History Extreme. Donc voilà, il y en a pas mal. Hein. Encore une fois, c'est difficile de tout montrer parce que j'ai des petites mains, enfin, comparé au paquet. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, pour le dernier paquet de cartes, nous avons des Impact Wrestling Reflection. Avec cet accent de malade. Qui sont franchement de très belles cartasses, par contre. Hein. Encore une fois, il y en a énormément. Voilà, je présenterai ça quand j'aurai bien trié dans le classeur. Quel molosse. Ça casse plus? Je ne veux pas passer des débuts, mais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça casse plus? Aïe! Bien, bizarre, un.
T'étais même pas dans le cadre, t'aurais pu faire du fun. Et donc, trois figurines de chez Galoop Toys, de la WCW, datent du début des années 90. Vous vous en verrez mieux la semaine prochaine dans l'épisode 2 de l'histoire des figurines de catch. Ah ah, à ne pas manquer. Et donc, je voulais présenter quand même rapidement en preview. Alors, celle-ci, elle est un petit peu usée. Hein, c'est... voilà. Mais c'est quand même une belle figurine. Je vais essayer de la restaurer un peu. Nous avons aussi celle-ci. Voilà, qui est en bon état. Et alors là, celle que j'adore, que ça fait des mois que je cherche. Sting. Vraiment Sting, quoi. C'était à l'époque la plus grande bataille des figurines entre les Galoop Toys de la WCW et Sting qui était la tête d'affiche contre les Hasbro de chez WWF qui était Hulk Hogan. Et voilà, vous en verrez mieux la semaine prochaine. Alors nous allons enchaîner avec les Basic. Alors nous allons enchaîner avec les Basics de chez Mattel, série 93. Donc je vais vous présenter la collection. The Undertaker, Triple H, Jinder Mahal, Randy Savage et Bayley. Et aujourd'hui je vais vous présenter les Randy Savage et Jinder Mahal. On va commencer par Jinder Mahal. Est-ce que vous êtes prêts à laisser respirer Let Them Breathe? Vous connaissez, hein? C'est pas avant ça, d'ailleurs. Hein? On va l'ouvrir proprement. Jinder Mahal. Alors, bah franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Le petit slip est bien décoré. Les petites fesses sont bien décorées. Musculature propre, coudière, genouillère. Petite coupe de cheveux. Après, niveau tête, ils lui ont pas fait une tête de... Vous savez, on dirait les... Dans les visiteurs, quand ils se transforment en rat, là. C'est un petit peu cette tête-là, je trouve. Donc, niveau visage, c'est pas le top du top. Alors voilà, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas non plus la plus jolie, quoi. Mais, c'est propre. Place au Macho Man. Oui, ticket. Oh, c'est sympathique. Alors, Randy Savage. Pour ce qui est de la tête, moyen plus. Moyen plus. La tenue, par contre, est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup avec les petits pilou-pilou là qui descendent des jambes. Voilà, articulé pareil, hein. Genoux, cou, taille, bassin, même au niveau de la tête. Par contre, les cheveux, ben là, c'est pas terrible, quoi. On dirait un mélange entre une serpillière et la coupe actuelle de Bayley, c'est pas ouf. Enfin, voilà. Cependant, dans l'ensemble, ça reste assez propre. Franchement, je suis assez content. Et surtout, étant un fan de... Wow. Ça m'a fait trop peur. Cependant, dans l'ensemble... Moi, je me mets ta mère, du chaud. Cependant, je trouve que la figurine dans l'ensemble est assez propre. Et surtout que moi, je suis un énorme fan de Randy Savage. Et c'est la première figurine que j'ai de lui moderne, on va dire. Voilà, donc je suis très content de l'ajouter à ma collection. Alors, je ne vais tout de même pas noter les figurines Galoop parce qu'elles sont pas forcément neuves et elles sont très anciennes. Mais je trouve quand même assez propre. Pour la Jinder Mahal, je lui mettrai un petit... Laisse-moi regarder ta tête... Bon, un petit 6 sur 10. Et pour Macho Man, je la trouve un peu fine quand même, comparé à pas fine d'alors. Hein.
un peu fine comparée à son physique normalement. Ouais, je vais mettre un 7 sur 10. Et pas 7 sur 10. Coup dur pour l'humour français. Le jus d'orange. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la figurine que vous avez préférée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter tout ce que vous voulez, n'importe. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour avoir les notifications. Ça va faire bip dès que mon Gunshay a sorti une vidéo. Ça fait cool. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir regardé. Et voilà. Merci.